Partager, partager, partager. J'ai encore de partager. Donc n'attendez pas, je ne serai pas long. C'est un petit direct. Je ne serai pas long. Au trop, 15 minutes, j'ai fini. Parce que je dis encore, parce que les gens ne me comprennent pas. Quand je fais mes lives, les gens multiplient les lives parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Rien. Alors, je dis encore ici, bravo. Bravo, bravo au général Niat Barano. Que ceux qui ne sont pas contents, allez sucer le courant. Sautez, vous caler en l'air. Et je profite, parce que je ne serai pas long. Je profite ici pour interpeller tous ces faux profils-là qui nous parlent tous les jours de Calibri, que ce soit même les Karim Bibian Richaud qui passent le temps à parler de Calibri. Je vous dis une chose. Calibri ne peut plus faire une action coup de poing en diaspora. Calibri ne peut plus le faire. Et Niat a compris. Même Niat ne peut plus le faire. Mais Niat a une équipe. Une équipe qui l'écoute et il travaille. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez que Niat n'était pas présent. Niat n'était même pas à Paris. Et son équipe a travaillé. C'est Calibri, Calibro. Donc, sans Karine Bibian-Richaud, passe le temps à nous vanter. S'il est capable de mener encore une action coup de poing en diaspora, qu'il le fasse, on voit. S'il a une équipe qui peut mener une action coup de poing en diaspora, que cette équipe-là le mène, on voit. On n'est pas là dans Facebook ou bavarder. Niat a prouvé que malgré sa condamnation, il a des hommes qui peuvent mener des actions. Il a des hommes. Et c'est calibré à des hommes en dehors de ces faux profils. Les malolos, les cancres illettrés, ils sont tous nombreux, cachés sur Facebook pour les soutenir. Si vous aimez Calibri, menez une action au nom de Calibri. Parce que nous savons que Calibri ne peut plus mener des actions coup de poing que nous puissions voir sur la toile. Calibri ne peut plus le faire. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Mais en dehors d'être en faux profil pour le soutenir, pour nous insulter. Mener des actions comme des combattants non-hommes qui sont avec Niat Barano ont mené cette action pour ridiculiser Sifa. Et nous avons vu. Alors, je parle encore à tous ces gens, les clous Armand Dibanke qui est en Angleterre. Je parle ici à ce qu'on appelle, où c'est Cyril Ndiossa, qui est au niveau des États-Unis. Je parle encore à celui que vous appelez, celui que je guide mon avis, qui est au niveau des États-Unis aussi. Donc, où c'est Kiwanja. Je ne sais pas comment il s'appelle encore, j'oublie même son nom. Si vous êtes capable, au lieu de rester seulement sur la toile et dire calibrer, monter, calibrer, faites des actions au nom de Calibri, on voit. Faites des actions au nom de Calibri, on voit. Où c'est Loris Lacham. Que ce soit les cancres illettrés, que ce soit les œils de cyclone, que ce soit, ils sont tellement nombreux, les Tracy Royal, où c'est où c'est l'équipe Elvesen. Faites des actions, on voit au nom de Calibri. Comme ce soit même celle qu'on appelle encore, même Salomon Tchatchet. Que ce soit Salomon Tchatchet. Faites des actions, on voit. Parce que ne restez pas cachés chez vous. Quand on vous dit que le combat est individuel et personnel. Vous pensez qu'on a s'amuser? Que ceux ou celles, que les artistes, les promoteurs, ceux qui veulent écouter Salomon Tchatchek, écoutez Salomon Tchatchek. Vous allez être fouettés. Ça ne sera pas moi. Hein? Parce que les combattants, comme je vous le dis tous les jours, chacun a son problème individuel et personnel avec le régime. Que ce soit les Calibri, tous ceux-là qui sont là pour dire que le combat est fini en diaspora, chacun a son problème individuel. Que celui-là qui est trop courageux, qui vient se mettre devant, il ne reste pas derrière son Facebook et dit que on ne marche pas, il vient dans la rue, il sera fouetté et vous allez le voir sur la toile. Donc l'ambassadeur sait, l'ambassadeur met au courant. Donc toutes vos histoires-là, restez seulement derrière vos Facebook Live. Sortez et venez le 16 avril et dit qu'on vient empêcher, vous serez fouettés comme des enfants. Il dit bien fouettés, ce n'est pas moi, mais vous allez voir les non-hommes. Vous avez vu aujourd'hui les non-hommes, est-ce que vous les avez déjà un jour vu sur la toile?
ceux qui ont fouetté Stevie Fa, vous les avez déjà vus un jour sur la toile. Quand on vous dites que non, je maîtrise, Salman Chatet, elle passe des lives, Colesso, il passe des lives, vous dites non, le boycott est fini en France. Lui-même, s'il est courageux, s'il y a un boycott, il vient devant le boycott, il sera fouetté comme un enfant. Je vous le dis encore, fouetté comme un enfant, ce n'est pas moi. Donc, Salman Chatet. Donc, je dis encore aux artistes, aux promoteurs, n'écoutez pas tout ce que ces gens-là bavardent sur la toile. Hein. Sur le terrain, chacun a son problème avec Paul Biya. Hein. Chacun a son problème avec le régime. Donc, quand les gars sortent là, vrai, vrai, les gars ne sortent pas pour s'amuser. Donc, moi-même, je ne suis pas pour les boycotts, mais je ne peux jamais, parce que je connais la rage. Je connais la rage des gars. Je les connais, parce que nous travaillons ensemble. Je connais leur rage. Donc, si je viens moi-même me mettre face à eux, ils vont me fouetter. Donc, Salman Chatet reste dans son salon, tranquille, et dit, j'ai déclaré que le boycott est fini en France. Viens te mettre devant un boycott, Salman. Si tu es courageuse, tu seras fouettée comme un bébé. On va te dire que tu as 20 ans de combat, là. Ça ne sert à rien. Les gens n'en ont rien à cirer. Les gens n'en ont du tout rien à cirer. Les gens sont là, chacun a son problème. Tu penses que quand tu es sorti dans le combat, là, tu es sorti pour qui? Tu as appelé qui? Oh, j'ai 20 ans de combat. J'ai fait ci. On n'en a du tout rien à cirer. Je dis rien. Donc, vos anciennetés là, ça ne sert à rien aux Camerounais. Les Camerounais en diaspora ont leurs propres problèmes. Ils ont chacun personnellement. Et je vous l'ai dit depuis le départ, même aux journalistes là, qui fait semblant de ne pas m'écouter, je lui ai dit, parce qu'il est peut-être hors de l'Europe, chacun a son problème dans ce combat. Ne vous mettez pas face à un Camerounais qui souffre. Ne vous mettez pas face à un Camerounais qui a son propre problème. Essayez de l'écouter. Vos histoires que vous racontez, parce que Karine est restée dans son salon. Si Karine est courageuse, qu'elle sorte pour venir dire que je suis dans la rue parce qu'elle donne rendez-vous. Je viens de faire le Sivifa. Elle va voir. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez sur la toile. Mais elle sera fouettée copieusement. Je dis bien copieusement parce qu'en diaspora, vous pensez que les gens qui ont beaux ans, les gens qui souffrent ici parce qu'ils ont quitté le Cameroun à cause du régime, vous pensez que c'est un jeu? On n'est pas dans ce combat pour jouer. Si vous êtes là dans des calculs et tout, sachez qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont même pas connues sur la toile et qui sont là parce qu'ils ont des problèmes réels. Il y a bien des problèmes réels. Ce que vous avez vu aujourd'hui, qui s'attendait? C'est vous qui avez dit, Salomon, j'ai vu Salomon. Ouais, Stevie Fa est en Europe, il se balade. Tu étais au courant? Tu as vu un combattant que tu connais? Tu as vu des gens qui sont sortis? Parce que chacun a son problème. Donnez seulement l'adresse. Vous allez voir, les gens vont se lever. Les gens vont se lever. Ce n'est pas vous. Ne pensez pas que parce que vous dites que j'ai fait 20 ans de combat, tu as embauché qui dans le combat? Ces gars-là qui sont allés fouetter Stevie Fa là, tu les connais où? Personne ne les connaît, même s'ils ont prononcé le nom de Niat. Oui, parce qu'ils sont peut-être en Belgique avec Niat. C'est pour cela que j'apprécie Niat, parce que Niat ne pouvant pas aller, lui-même, il a une équipe avec qui il travaille. Voilà ce qu'on appelle un travailleur, un combattant. Ce n'est pas des gens qui sont là avec 1000 faux profils qui passent leur temps sur la toile. Oh, Calibri est monté, Calibri vous dépasse, Calibri. Mais sur le terrain, on ne voit personne. Niat n'est pas là. Et vous avez vu ce que ces gars ont fait. Si vous êtes courageux, faites la même chose. Eto, Calibri a dit qu'il poursuit Eto, non? Il a dit qu'il poursuit Eto parce qu'Eto, c'est un gros poisson. Eto arrive. J'espère que Calibri sera là et que vous, ces faux profils, vous allez l'accompagner. Parce que je conseille même à toutes les équipes de boycott là de ne même pas pourchasser Eto, de laisser que Calibri le fasse pour que nous voyons ça sur la toile. Ne poursuivez pas Eto. Ça, c'est mon conseil. Parce que le défi fait en sorte qu'on élève un combat. La concurrence fait en sorte qu'on élève un combat. Vous nous avez dit que oui, Calibri nous dépasse. Alors, faites comme les gars de Niat ont fait pour montrer que vous soutenez Calibri. Ne restez pas seulement en faux profil pour dire que Calibri est monté, Calibri. Allez sur le terrain, même si Calibri n'est pas là. Et faites comme ce que les gars de Niat ont fait sans que Niat ne soit présent. C'est de cela qu'il est question. Et à partir de ce moment, je vais vous tirer un grand coup de chapeau. Parce que vous êtes en faux profil, caché, pour nous insulter et tout. Mais je vous attends sur le terrain.
C'est de cela il est question. Donc, j'ai dit que je ne serai pas long. Merci à vous. Merci à l'équipe de Niad Barno. Parce que depuis plusieurs jours, les Salomon Tchatchet, les Olivier Tchadan, les colonels So étaient en train de nous insulter ou de vous insulter. Parce que Sivifa était en Europe en train de se balader. Donc, ce que vous avez fait aujourd'hui, je suis content que celui que ça l'énerve, non, il part fumer le lac. Allez fumer le lac. Je dis bien fumer le lac. Allez vous pendre. Allez payer les cordes chez Foucault. Dites que c'est le prof du Don Quata qui vous envoie. Foucault vous donne ça gratuit. Je dis bien gratuit. Parce que quand on vous dit que le combat est individuel et personnel, vous passez le temps. Je vois Lolo Fondia dans les lives de Salomon. Oui, grande combattante. Oui, sœur. Va dans une fête, Lolo Fondia. Tu vas voir. Salomon Tchat ne sera incapable de venir. Ne vois pas tout ce qu'elle va avoir sur la toile. Hein. Moi, je vous parle avec l'expérience du terrain. Avec l'expérience que je vis avec des gars sur le terrain. Je ne suis pas les clous à Mandibanque qui passent leur temps à bavarder sur Facebook, qui ne font rien. Je suis un élément du terrain. Donc, je connais les gars qui sont sur le terrain et je connais leurs problèmes. Que les promoteurs, là, non, organisent une fête ici en France. Moi, je ne parle pas. Personne ne parle. Vous allez voir les combattants de France. Vous allez voir avec vos propres yeux. Et c'est à partir du moment que vous le confirmez. Ne pensez pas que Salomon Tchat représente qui? Les gens qui sont en train de se battre pour qu'on les appelle. Oui. Les gars n'ont rien à foutre. Je dis bien rien du tout à foutre. On dit que zéro concert, c'est zéro concert. Vous avez vu aujourd'hui. Donc, que chacun commence à réfléchir. Et que chacun prenne ça dans sa tête comme une leçon. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez avancer dans vos projets. Donc ne comprenez pas tout ce que les gens bavardent. Chacun bavarde de son côté. Oui, le boycott est fini. Le boycott est fini. Quand Sylvie va bien en France, non? C'est là qu'il va confirmer. Qui vient encore? Qui vient faire ce que Peter, il est venu en France, il s'est filmé à la Tour Eiffel. Ça, c'est rien. On voit seulement sur la toile. Qu'il annonce qu'il sera dans une salle et il donne l'adresse. C'est là où vous allez voir le voir être. Alors, merci à vous. Bonne soirée. Merci.